Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Pontcherry pour cette troisième journée de National 1 masculine dans cette poule B. Quel plaisir immense de retrouver cette salle, puisque pour nous c'est le premier match. Vous avez eu le plaisir de le retrouver sur Facebook, la première diffusion, la première rencontre. Mais la première diffusion en configuration YouTube avec toutes les équipes de QR Productions cette année, c'est la première. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver. On espère que tout le monde va bien du côté de chez vous. Un énorme plaisir aussi, bien entendu, de retrouver du monde dans nos tribunes. Qu'est-ce que ça fait du bien. On s'était quitté la saison dernière avec nos matchs à guichet fermé. Quelle tristesse c'était de ne pas vous avoir avec nous. Et là, on a le plaisir de retrouver du public. Je suis avec Théo. Théo qui va commenter l'intégralité de la saison avec moi, un consultant de luxe pour le SOPCC. Et on va rentrer direct dans le vif du sujet, Théo. Une rencontre importante pour Pontcherry avec dès aujourd'hui l'obligation de commencer et de lancer cette saison à domicile. Déjà bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Rencontre à très, haut, très gros enjeux avec un début de saison compliqué, un adversaire qui fait un peu peur tout de même, qui est mieux placé au classement. Et donc première rencontre pour nous à suivre qui va être très intéressante je pense. Alors, on sait, c'est compliqué pour Pontcherry en ce début de saison. Après trois matchs, hein, malgré tout, on n'est que sur la troisième journée, après deux matchs. Après, il y a quand même beaucoup d'explications. Quand on voit l'effectif, je ne sais pas si vous nous suiviez l'année dernière, il n'y a pas beaucoup de têtes qu'on reconnaît. Beaucoup de nouveaux. Et il y a besoin de rodage pour cette équipe, pour arriver à trouver ses marques. Nouveau coach, nouveau staff, nouveaux joueurs majeurs. Un besoin de reconstruire et on sait que ça prend du temps. Évidemment, la reconstruction d'une équipe, ça prend pas qu'une année, mais il n'y a que deux joueurs qui sont restés là. Mais il y a des belles recrues, notamment Jonathan Jodson, qui tournait à 25 points la saison dernière en Finlande, qui est passé aussi par Chypre. Donc cette équipe, elle promet, avec de très beaux joueurs pour cette saison. Allez, on va avoir l'occasion de vous présenter ça un petit peu plus en détail. Installez-vous confortablement. Début du match dans 7 minutes. On espère que vous allez bien, en tout cas, et que vous êtes fin prêt pour démarrer avec nous cette nouvelle rencontre, troisième journée de National 1 masculine contre l'équipe de Gol B. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez, nous voilà donc de retour. On a pris place, on a pris notre poste de commentateur pour démarrer dans quelques instants
cette rencontre. Théo, on a actuellement la présentation des équipes avec cette équipe de Golbey. Est-ce que tu peux justement nous parler un petit peu de cette équipe de Golbey ce soir et notamment de ces joueurs forts? Oui, donc notamment on a Pierre Brun qui a été un des principaux acteurs de la victoire de Golbey face à Besançon la semaine dernière. Et aussi Mavin Govindi qui a fait un match à 16 points, 12 rebonds, double double pour lui. Donc voilà, les deux joueurs phares à suivre ce soir, ça sera eux, je pense. Et on voit actuellement la présentation de l'équipe de Pontcherry qui va démarrer dans quelques instants cette rencontre. On l'a dit, avec l'importance de la victoire aujourd'hui pour les joueurs du SOPCC. Avec, on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, trois joueurs seulement qui étaient dans cette équipe la saison dernière, avec Franck Choubaï, le capitaine, Cheikh Soumaoro, et enfin Lucas Thévenard, alias MVP Thévenard, qui nous avait régalé sur la fin de saison dernière avec des performances assez incroyables. Donc trois joueurs seulement, mais quand même quelques belles recrues, avec des joueurs qui vont amener de l'expérience, mais aussi de la nouveauté, de la jeunesse. C'est un petit peu un mix de tout, cette équipe SOPCC version 2021-2022. Exactement, Jonathan Hilton, comme je l'ai dit tout à l'heure dans la présentation, qui avait des certaines stats la saison dernière à Chypre et en Finlande. Aussi Damien Ntchekebele, qui a un profil vraiment de slasher, qui peut apporter énormément de rapidité dans le jeu. Donc vraiment un mélange intéressant à suivre cette année, et une saison qui promet du côté de Pontcherry. Et un nouveau coach, un nouveau staff, mais plus qu'un nouveau coach, c'est un nouveau staff du côté du SOPCC, avec Dounia Issa qui a rejoint le banc du SOPCC. On en profite d'ailleurs pour saluer notre ancien coach, notre ami Moitassim Renan, qui évolue désormais du côté de Lyonceau. On est un petit peu attristé d'avoir vu ce départ de Moit. Mais voilà, on est impatient de découvrir Issa, qui est un joueur Dounia, Issa pardon, qui est un ancien joueur de talent. Les amateurs de basket le connaissent forcément. Et oui, 15 saisons en Pro A et 14 sélections, surtout en équipe de France. C'est pas rien. C'est pas ça rien, mérite d'être souligné. Et donc, Dounia qui espère ouvrir son compteur victoire aujourd'hui contre cette équipe de Golbey. On a parlé des tacticiens et des techniciens du côté de Pontcherry avec l'assistant Guillaume Suarez également. Place maintenant à la présentation de Laurent Matisse, qui est le coach adverse du côté de Golbey pour cette nouvelle saison. On en profite pour saluer d'ailleurs nos amis de Pontcherry qui sont devant leur télé, mais également les amis de Golbey, supporters du Golbey Épinal. Alors on avait l'habitude de nous appeler Gate Voyage, il va falloir changer ses habitudes puisqu'on a eu un changement de nom du côté de Golbey Épinal. L'ambition sportive Golbey Épinal, l'ASGE, qui est le nouveau nom pour le club. Donc voilà, on essaiera de ne pas fourcher, de ne pas vous appeler Gate Voyage. Mais nos habitudes des fois sont un petit peu difficiles à perdre, donc on va essayer de garder les bonnes habitudes et de reprendre tout de suite votre nouveau naming. Un petit mot sur le parrain du match qui vient parrainer cette nouvelle saison, Elifec, le spécialiste de la coordination sécurité pour vos chantiers, bâtiments et d'industrie. N'hésitez pas à aller retrouver le site internet www.elifec.fr. C'est très très important pour nous de remercier les partenaires et notamment Elifec, puisque c'est tout simplement grâce à eux que vous allez pouvoir suivre l'intégralité de cette première phase de National 1 masculine avec ces lives qu'on vous propose. On a le bonheur et le plaisir de retrouver du monde, on le voit actuellement sur l'image. Théo, actuellement à l'image, les supporters du SOPCC. Et oui, ça fait plaisir, puisque l'année dernière, on n'a pas eu cette joie de pouvoir avoir du public dans le gymnase. Donc ça va apporter du soutien, évidemment. C'est pour ça qu'ils sont là. Et de la joie dans le gymnase, on espère que l'équipe va être portée par cet apport du public.
qui est d'une importance capitale, évidemment, pour l'équipe qui joue à domicile. Donc il va falloir tirer profit de cette présence du public pour essayer de s'imposer contre cette équipe de Golbe. Donc, début du match dans quelques instants. On a quelques petits soucis de caméra. On espère résoudre ça au plus vite. Début du match dans quelques instants avec les 5 majeurs qui viennent d'arriver sur le terrain. Et c'est parti pour tout simplement le premier ballon qui va être dans les mains de Golbe. Première possession pour les visiteurs et un premier stop défensif bien joué de la part du SOPCC avec Mathis Guillou qui vient intercepter tout de suite et peut offrir une première opportunité pour les joueurs de Pontcherry. Il est passé. Pourquoi pas ce petit drive là, impeccable. Les deux premiers points de cette rencontre, ils sont pour le SOPCC avec Brian Coudray. Magnifique pénétration, drive main gauche, lay-up main droite. Impeccable, ouais. Brian Coudray, une des recrues, une des jeunes recrues. Hein. Théo, tu auras l'occasion de nous présenter un petit peu plus tard, mais fait partie des jeunes joueurs de cette équipe du SOPCC. Allez, 2-0 possession, Golbe Épinal. Avec la balle qui circule, on va passer du côté du capitaine Loïc Gigan et on n'arrive pas à récupérer cette balle, Melvin Govindi qui l'a envoyé directement dans les tribunes. Alors attention, messieurs les joueurs, vous avez désormais du monde dans les tribunes. Hein. On avait l'habitude l'année dernière de pouvoir envoyer la balle dans les gradins sans problème. Et ça craignait rien, mais là maintenant, on peut risquer de blesser quelqu'un. Quand même. Exactement, il va falloir retrouver ses bonnes habitudes. Allez, possession SOPCC. Ouais, il est passé, bien joué, impeccable. Un nouveau drive. Ouais, impeccable. Impeccable pour Basile David. Défense. 4-0. Tout simplement, belle entrée de match. Nouvelle possession du coup pour Golbe. Ça travaille à l'extérieur. Oula, gros contact derrière les 3 points. Le tir forcé à 3 points. Et le rebond, ça se bagarre pour le rebond. J'ai récupéré. Non, c'est faute. Contre Pontcherry, la première pour les locaux et donc possession Golbe. Et l'interception du coup de Pontcherry, le contre-attaque et le lay-up de très loin. 2 points de plus pour Pontcherry, 6-0. Et super début de match Théo hein, du SOPCC, très présent défensivement, vient mettre aussi de la pression en attaque, c'est impeccable, ça démarre parfaitement pour les verts et noirs pourvu que ça dure. Exactement, et puis ça va très vite en contre-attaque, c'est fluide, il y a de la présence en défense, il y a de la présence en attaque aussi, donc tout est parfait pour l'instant dans ce début de match. Pourvu que ça alors dure. Que ça se bat sous l'archot, les deux premiers points pour Golbe. Et N1, le panier est accordé. Avec la faute provoquée. Très grosse intensité pour l'instant pour Pontcherry. Des deux côtés du terrain. C'est très bon signe pour l'instant. Et il y aura donc un lancer franc supplémentaire. Pour qui est au lancer franc? Jonathan Hudson? C'est Jacques Ayoum. Jacques Ayoum, exact. Eh mais là, on est déstabilisés, nous aussi. On a quand même 80% de l'effectif qui change. Alors, il va falloir qu'on recommence à s'habituer. On salue d'ailleurs hein, tous les anciens de Pontcherry qui nous regardent peut-être ce vendredi soir. On sait qu'on a quelques joueurs qui évoluent du côté de la Pro B, qui
donc ne joue pas ce soir. Donc, n'hésitez pas hein, si vous êtes joueur à nous saluer. Nouvelle faute de Pontcharrui, la deuxième. La deuxième, ouais, c'est ça. Hein. Et le drive au contact des Charentes, main gauche. De nouveaux points pour Golbe. 5 points d'écart. Pour l'instant, qui répond bien aux achats de Pontcharrui. Carrément. Et faute. Faute provoquée. Et récupération Laval, il n'y aura pas de lancer franc. Allez, possession SOPCC, le petit flotteur, c'est raté, le rebond qui ne va pas être capté. Et on va avoir cette possession rendue pour Golbe avec Elliot Marot. Côté SOPCC. Ça défend dur, la bonne passe, Elliot Marot à l'intérieur et le contre de Lucas Thévenard. No way! Pas tout de suite. Allez, Ludovic Schell, nouvelle recrue également. Hein. On n'a pas eu l'occasion trop d'en parler, Théo, mais quelle recrue pour le SOPCC avec Ludovic Schell, un des grands noms du basket en France, hein, tout simplement. Exactement. Bien joué, Lucas. Très expérimenté, 38 ans, mais qui a connu quand même des gros clubs, qui est passé par hier, par Caen, par Chamalier et Chartres notamment. Donc très gros atout d'expérience dans l'équipe. Il va amener toute son expérience et va être une belle collaboration avec le jeune Brian Coudray. Ça va bien se compléter. Allez, Lucas Thévenard, le premier est à main. Oui, je l'ai vu rater. Allez, petits ajustements. Hein. On se met en place, nous, ce soir aussi, sur une nouvelle organisation. On essaye de vous faire vivre au mieux. On a essayé d'apporter quelques nouveautés cette saison, avec notamment les fautes collectives que vous avez affichées. Permettre de suivre un petit peu mieux la rencontre. Allez, possession, Golbe, Épinal. Avec la balle qui circule, le capitaine Loïc Gigant qui met un petit peu en place tout ça. La balle qui circule, c'est justement lui, Gigant, qui récupère. Oh, bien joué ça. Un petit step back. Il était un petit peu trop seul, ça l'a perturbé. Et ses possessions récupérées, SOPCC. Il est passé, Mathias Guihou. Oh là 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 là. Ça va très vite. Ouais, c'est très athlétique ce que Mathias Guihou vient faire là. Il est monté très très haut. Pas loin du cercle sur ce drive et le SOPCC qui continue de bien gérer cette rencontre, Théo. Et oui, 12-4, 8 points d'écart, c'est un très 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 bon début de match qu'on n'a pas vu d'ailleurs dans les deux premiers matchs, donc j'ai très bon signe pour ce match. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, exactement. Allez, Brian Coudray qui a passé le milieu de terrain. On est passé avec Jacques. Oh, la bonne passe, ça, dommage. C'était bien coupé. Loïc Gigant, impeccablement bien revenu. Ah. Le petit flotteur, c'est raté. On se précipite un petit peu sur ce jeu rapide. Très bon retour hein, en défense. Ça s'est fait très vite, ce qui a permis le rebond. Exactement. Allez, la balle qui a touché le pied. Changement du côté de Golbe avec Vladimir Ilitch, l'étranger de l'AS Golbe Épinal et Maes Montou également. Double changement, on essaye un petit peu de remettre de l'ordre dans la maison côté Golbe. Une victoire, une défaite hein, Golbe dans ce début de saison, hein, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. Premier match en ouverture, du coup, défaite contre Avignon. Ah, Avignon. C'est ça? Exactement. Ouais, du côté d'Avignon. Jamais facile de gagner du côté d'Avignon le Ponté. Oh là, ça s'est bien joué. Et ça fait deux points supplémentaires pour Jacques Eyoum qui vient provoquer. Et donc, c'est une grosse pression défensive encore derrière.
pour résumer le début de saison de Golbe chez une équipe qui marque beaucoup, mais aussi qui encaisse beaucoup. Pour l'instant, elle encaisse plus qu'elle ne marque. Oui. Donc, c'est bon signe pour Pontcherry. Pour le moment, il y a une des données qui est respectée, mais pas forcément la deuxième. Allez, 4 minutes 30 à jouer. Tchèque Somaoro qui, malheureusement, n'a pas réussi à prendre sa position. Ça rend fou furieux, d'ailleurs, le coach du SOPCC. Allez, Golbe et Pinal avec la balle, avec Gigant. On a du mal à trouver. Hein. Défend très, très fort, très, très dur. Montou, il va rester 8 secondes, il va falloir jouer. Montou, la petite. Oh, le drive, Tchèque Somaoro qui traînait. Et c'est bien récupéré à l'intérieur par Vladimir Ilic qui marque ses deux premiers points. Très gros rebond de Ilic. Allez, SOPCC avec Brian Coudry, pardon, pour Ludovic Schell. On s'est mal compris. Heureusement, Brian Coudry traînait dans les parages. Et ça tourne très bien. Il va falloir tirer. Ludovic Schell, le petit drive. Un nouveau drive. Oui, impeccable pour l'expérimenté Ludovic Schell. Sur ce drive avec 5 secondes au buzzer, il fallait le prendre ce tir. Il a pris ses responsabilités, impeccable. Et ça fait 16-6 à 3 minutes et 28 secondes de la fin de ce carton. Et encore une très bonne défense. Très grosse présence. À se trouver. Changement côté SOPCC avec la sortie de Jacques Liu pour la rentrée de Basile David. Et le petit tir en tête de raquette. Et la gamelle, ça rentre, ça ressort. Et c'est récupéré de nouveau. SOPCC, on n'y arrive toujours pas. Côté Golbe, et on a provoqué la faute sur Brian Coudré. Faute pour le numéro 2, Maes Montou. Faute du numéro 2, Maes Montou. Possession SOPCC. Et changement du côté des deux équipes avec Brian Coudré qui va sortir. Et l'entrée de John Hudson, tu nous en as parlé tout à l'heure, joueur de talent du côté du SOPCC qui a démarré sur le banc avec Brian Coudré. Qui a pleinement rempli son rôle de meneur starter. Et John Hudson qui vient le suppléer pour le permettre de souffler un petit peu. Et quelle suppléance. Allez, la petite passe. Tchèque Somaoro, l'expérimenté. Le capitaine qui bataille, mais qui malheureusement n'a pas réussi à récupérer ce rebond et laisse la balle sortir. Allez. Ça s'est fait en deux temps. Il avait d'abord pris le rebond offensif, mais malheureusement. Très grosse présence de Golbe en défense et ce qui leur a permis de récupérer la possession tout simplement. Exactement. On voit l'image, le catch, le coach qui remet un petit peu d'ordre. Et possession récupérée Golbe avec Maes Montou. Bien défendu par John Hudson. Montou. Ilic. On va servir à l'intérieur. Tchèque Somaoro, attention à ne pas fauter. Impeccable. Très très bien joué de la part. De Golbe avec ses deux points pour Melvin Govondi, remarquablement bien trouvé par Ilic, la relation poste haut poste bas qui a fait des ravages. Changement côté SOPCC avec l'entrée de Allez, changement avec l'entrée pour la première fois ce soir de Damien Nseke et Bélé qui vient remplacer Tchèque Somaoro. Allez, possession SOPCC, Théo, une possession importante, hein, puisque. Alors, je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Une faute. Faute pour le numéro 16. C'est Damien Nseke Ebele qui a fauté. On n'a pas vu forcément ce qui s'était passé. C'était sur une faute offensive, sûrement sur un écran, je pense. C'est, en tout cas, ça donne une possession Golbe. Et nouveau drive. Et la faute provoquée. Presque N1, mais j'ai l'impression quand même qu'on. On se repose un peu sur les lauriers acquis en début de match. Petit moment de flottement du côté de Pontcherry. Ouais, et du côté de Golbe, on a aussi réagi. Hein. Je pense qu'il y a une relation de cause à effet, Théo, sur la réaction de Golbe, qui est bien plus agressif, mais un peu plus de rythme en attaque. Et du coup, défensivement, ça leur donne un peu des ailes aussi. Et on sait qu'au basket, hein, tout est souvent une relation
de confiance en attaque et en défense. 16-8, le premier lancer franc marqué. Deuxième lancer franc à venir. 2 sur 2. Impeccable pour Maes Montou. Et possession. SOPCC, possession importante pour Ludovic Schell. Ouais, il faut se relancer. Bah, il faut rescorer surtout parce que là, ça fait un petit moment qu'on est bloqué. Alors, entre guillemets, bloqué, hein, parce qu'on est content d'être bloqué à 16 quand même, mais malgré tout. C'est qu'on est parti sur les chapeaux de roue et là. Allez, il est passé, Ludovic Schell, la bonne passe. Le tir est très compliqué. Le tir en suspension. Ouais, raté pour Lucas Thévenard, en difficulté. Et du coup, ça va redonner une possession pour Golbe. La balle qui circule très très bien. Maes Montou qui va tranquillement temporiser. Beau duel de meneur. Ouais. Sacha Yuchan. Et d'ailleurs, ça drive. Le capitaine qui récupère la balle. Et nouvelle faute à l'intérieur de la raquette pour Damien Nseke et Bélé. Sa deuxième, si je ne me trompe pas. Quatre fautes d'équipe des deux côtés. Ouais, prochaine, prochaine faute d'équipe. La pénalité, de... ouais. Quel que soit le côté. Changement côté SOPCC avec la sortie de Basile David pour l'entrée de Jacques Ayoum. Jacques Ayoum de retour. Je vous entends plus. Sur le parquet. Défense. Allez, possession. Golbe. La balle qui circule bien. Gros tir à 3 points, complètement raté. Pour Ilic. On essaye de mettre du rythme, hein, mais cette défense de Golbe s'est très vite repliée. Le tir à 3 points. Et grosse présence sous le cercle. Impeccable. Rebond défensif tout de même pour Golbe. Pour revenir à 2 possessions. Enfin, à 2 tirs à 2 points. Ouais. À 3 points. Ils le sont déjà du coup, mais. Ouais. Et là, le tir justement à 3 points, impeccable. Et c'est marqué pour Basile, pas du tout Basile David, pour Tom Daris Agnès. Et temps mort, demandé par. Premier temps mort. Pontcherui. Temps mort demandé par Pontcherui qui. Bah voilà, important pour le coach de venir mettre un petit peu. Remettre un petit peu d'ordre puisque bah, on est revenu hein, du côté de Golbe avec de très très bonnes intentions. Et du coup, alors on essaiera de vous faire vivre. On a Quentin Mongenet, le responsable communication du club, qui est à nos côtés. Donc j'en profite pour vous le dire à vous, mais aussi à lui. On essaiera de vous faire vivre les temps morts sur les prochains matchs. Parce qu'on a une caméra qui est idéalement placée là, notre caméraman Sem qui est juste à côté. On essaiera de vous mettre le son si on arrive à avoir l'accord du coach pour essayer d'avoir les temps morts sur la prochaine rencontre, sur les prochains matchs. Ça peut être intéressant d'avoir un petit peu ce que dit le coach tout simplement Théo sur ces réajustements. 16-13 avec 53 secondes à jouer tout simplement dans ce premier quart-temps, début de rencontre qui finalement s'équilibre Théo. Clairement momentum côté SOPCC sur le début de la rencontre. Et Golbe qui a parfaitement réagi, ils ont laissé passer l'orage tranquillement et ils sont revenus avec tranquillement sans s'affoler dans la rencontre et en capacité de recoller avec une dernière minute à jouer importante pour le SOPCC qui doit marquer. Et oui, ce premier carton qui peut être divisé tout simplement en deux. 5 premières minutes en faveur de Pontcherui. Puis temps fort de Golbe pour revenir. Et au final, ça fait que 3 points d'écart à une minute de la fin du premier carton. Allez, c'est parti pour la possession. Avec la percussion, il vient prendre le contact, impeccable. Très très bien joué de la part de Basile David qui vient prendre le contact sur ce drive et qui vient se rééquilibrer pour shooter. Et ça fait du bien ces deux points Théo puisqu'on repasse à plus 5. Défense importante pour les joueurs de Pontcherui. Avec Montou. Oh, ouais, qui vient très bien provoquer. Faute offensive. Damien Tsekebele, alors le joueur de Golbe qui réclame peut-être à raison la zone de non-charge.
Et Tchéké Ebele qui n'a pas eu peur. Hein. Pourtant, ce n'est pas les mêmes gabarits qui sont affrontés. C'est vrai qu'à sa place, je ne suis pas sûr que j'aurais. Je serais resté statique et j'aurais pris le contact. Ouais. J'aurais peut-être passé mon tour. Ouais. Allez, 18-13. Et 20 secondes à jouer dans ce carton. Dernière possession, hein, tout simplement. Pour le SOPCC qui va récupérer cette balle avec justement John Hudson. Qui va attendre tout simplement. Ouais, alors il n'y a pas forcément la dernière possession, il y a 2/10 d'écart hein, exactement pour être précis. John Hudson s'est raté, le rebond, Lucas Thévenard, ça bagarre, Lucas Thévenard qui vient le récupérer et la balle sera rendue au SOPCC. Ah non, à Golbe, pardon. Lucas Thévenard qui l'a touché en dernier. Alors qu'on a 2 secondes de décalage, hein, on aura 2 secondes à jouer. 2 secondes à jouer, il faut défendre côté. Il va y avoir un shoot. Il va tirer, il est loin, mais. Non, c'est trop court. Il le rate, c'est trop court. Oh non, reste là dans ce carton. Et le SOPC qui reste sur ce 18-13, le plus 5, donc parfaitement. Plutôt maîtrisé. Avec cette grosse entrée dans le match pour les joueurs de Dunia Issa. Et on remercie nos partenaires, les partenaires majeurs du SOPCC. Vous aussi, hein, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure, rejoignez les partenaires du SOPCC avec Urbisport. Qui gère la régie commerciale et remerciements également à Elifek, parrain de votre rencontre. Et on va vous laisser d'ailleurs avec un petit clip. Allez, on a eu le plaisir de voir ce petit clip sur les partenaires de cette rencontre. Restez avec nous à la mi-temps. On aura quelques petites surprises. On aura bien entendu les clips partenaires. Et puis on aura également une petite interview du coach qui nous livrera ses impressions sur cette première mi-temps. Et cette première mi-temps qui redémarre, Théo, avec une faute provoquée par John Hudson. Et depuis le début du match, très grosse intensité, que ce soit du côté de Pontcharui ou de Golbe. Donc première faute au bout de 10 secondes dans ce deuxième carton. Et deux points pour Pontcharui qui recommence ce deuxième carton comme il a commencé le premier. Faute du côté de Pontcharui, première dans ce deuxième carton. Deux fautes hâtives dans ce deuxième carton des deux côtés. Donc nouvelle possession pour Golbe. Le tir à 3 points, il est très rapide et ça rentre, c'est dedans. Impeccable. 3 points pour Golbe. Ouais, très très bien joué pour le numéro 10, Tom Daris Agnès. Le tir en suspension de Hudson, ça ne rentre pas. Rebond pour Golbe. Et ça va vite. On change d'aile et très grosse défense de Hudson. Ouais, très très bonne défense. Pour John Hudson, la balle qui n'a pas été contrôlée, elle sera rendue à Golbe. De nouveau 4 points d'écart entre Pontcharui et Golbe. Ouais,
Le tir à 3 points de nouveau et Charente encore une fois pour Tom Darichanies. Le deuxième, quel match. Le deuxième d'affilée pour lui. Attention. Attention qu'il ne prenne pas de trop bonnes habitudes pour Golbe. Allez, le SOPCC qui récupère. Impeccable, la bonne passe. Pour Damien Nseke, mais elle est relativement bien trouvée par Basile David. Super connexion. Et et très bien, très bon travail de Lucas Thévenard sur le rebond qui vient provoquer la faute. Il a pris sa possession. C'est Ludovic Martel, il me semble, hein, du côté de Golbe. Théo qui fait faute, je crois. Exactement. Sur la prise de possession, sur le rebond. Gros début de match hein, de Lucas Thévenard dans l'impact et dans la gestion, notamment défensive, l'homme de l'ombre en général, Lucas, même si il nous a habitué à certaines rencontres assez incroyables l'année dernière où il est sorti complètement de l'ombre. On se rappelle le voir faire des très très gros matchs, notamment dans le scoring. Joueur vraiment issu de la National 3. Et ben le voilà, regardez, oh, regardez. Il vient illustrer mes propos, Lucas Thévenard, avec ce N1 incroyable. Voilà, il suffisait de parler un petit peu de lui et de dire que c'était l'homme de l'ombre pour qu'il vienne nous coller ce N1. Merci Lucas, ça fait plaisir ça. Impeccable ce gros tir. Et changement du côté de Golbe. Avec Montou qui sort. Montou qui a fait un gros gros début de match hein, pour le moment, hein, qui tient la baraque du côté de Golbe. Et Elliot Marot qui vient le remplacer. Un lancer franc supplémentaire, on y est pour le SOPCC. 25-19 possession justement pour Elliot Marot qui vient trouver tout de suite Tom Darichanies. Attention à lui hein, sur la longue distance, il nous a montré que c'était le pistolero de cette équipe de Golbe pour le moment dans ce début de rencontre. La balle qui circule parfaitement bien et Djibril Marico qui malheureusement n'arrive pas à trouver ce tir et derrière John Newton qui vient provoquer la faute. On a du mal à trouver le cercle du côté de Golbe dans cette rencontre sur les tirs extérieurs. Et, bon, bien entendu, hein, Tom Darichanies qui s'est illustré. Mais c'est un petit peu le seul pour le moment dans cette rencontre à l'image de ce tir qui était complètement ouvert pour Djibril Marico, mais un petit peu raté. Mais apparemment, Tom Darichanies qui n'a pas besoin d'énormément de plage pour ouais, tirer. Exactement. Et tant mort, hein, demandé par Golbe. Tout de suite pour essayer de remettre un petit peu d'ordre. Vous pouvez retrouver le SOPCC Mag. Vous avez la couverture, nouveau numéro disponible. Vous en avez l'habitude si vous êtes supporter du SOPCC. Le SOPCC Mag qui est disponible d'ores et déjà. Et on retrouve notre speaker, nouveau speaker du côté du SOPCC. Malheureusement, on n'a pas pu retrouver notre ancien speaker Hervé Temgwa qui est parti vers d'autres horizons mais on accueille avec grand plaisir un nouveau speaker qui est très content de retrouver du public et du monde dans sa salle. Abel donc le nouveau speaker du SOPCC qui chauffe un petit peu les tribunes. On a un peu de monde ce soir, Théo, dans la salle pour un vendredi soir. C'est pas mal. On sait bien entendu qu'il y a beaucoup d'actualités sportives, beaucoup de choses à vivre et à suivre. Mais les supporters de Pont-de-Cherbuy ont répondu présent. C'est reparti. Après ce temps mort, possession pour Pont-de-Cherbuy. On travaille derrière la ligne des 3 points. Allez, avec. Oh, c'est bien joué ça pour MCK Bélé. C'est raté sur le tir, dommage. Très bien défendu de la part de Golbe qui récupère cette balle avec Darichanies. La bonne passe à l'intérieur de la raquette, impeccable, très très bien joué. Et Ludovic Martel qui vient marquer ses deux points et qui valide le temps mort de son coach. Bon temps mort, coach. Allez, SOPCC, le tir à 3, il est raté pour Dimitri Diarra qui a fait son entrée d'ailleurs. Et faute. Alors qui a fauté? J'ai pas vu. Ah, Basile. Basile David qui faute sur le rebond. Numéro 10 du SOPCC.
Allez, récupération de la balle pour Golbe avec Elliot Marot. Elliot Marot qui trouve Darice Agnès. Elliot Marot revient. On va essayer de trouver à l'intérieur la balle qui circule bien. Très très bonne passe. Tire à 3 points ouverts. C'est manqué. Et le rebond très disputé. C'est récupéré par Lucas Thévenard. Et Lucas Thévenard, un nouveau rebond. Un de plus. Sortie de balle. On aura le plaisir de retrouver les stats hein, à la mi-temps avec un travail effectué par Quentin. Responsable communication du club du SOPCC. Est au taquet à côté de nous pour les lignes de stats. Allez, possession SOPCC, ça bagarre sur le démarquage. Lucas Thévenard qui finalement arrive à pouvoir récupérer cette balle. On va ressortir avec Brian Coudray qui a refait son retour sur le parquet. La bonne passe à l'intérieur. Ça défend très très bien, ça circule bien. Le tir à 3 points. In and out. Dommage. Ouais, il était un petit peu court malheureusement. Il n'arrive pas à trouver la mire. Allez, ça circule. C'est reparti très très vite. Possession importante pour Golbe pour revenir à une possession tout simplement. Et on la donne à Darice Agnès. Très très bien joué. Très très gros tir pour Vladimir Ilitch qui vient convertir ce tir à 3 points et qui redonne un point d'écart. Ouais. Et ouais, avec ce tir à 3 points, il y avait deux. Plus faible écart de match. Attention à Tsegien Bele qui n'arrive pas là. Et attention, parce que c'est la première fois depuis le début du match, tout simplement, qu'il y a un chiffre faible écart. Et surtout que Golbe a la possibilité de passer devant avec cette faute provoquée. Il avait marqué derrière Elliot Marot, mais la faute était avant le tir, avant l'enclenchement du double pas. Et donc la balle sera rendue sur une touche pour Golbe Épinal. À saluer la tenue des arbitres. Hein. Vous voyez une tenue en mode octobre rose, le mois d'octobre. Vous avez peut-être suivi un petit peu l'actualité, sensibilisation au cancer. Et donc, vous avez un maillot adapté pour le corps arbitral avec ce maillot noir et rose avec le petit signe octobre rose. Salut d'ailleurs nos collègues arbitrales, Johan Dallosto et Fabien Clémente, le duo de ref. Ce soir, 25-24, possession toujours pour Golbe avec Malraux. Malraux qui est passé, qui peut ressortir. La balle qui circule, on va essayer de trouver à l'intérieur de la raquette puisqu'on a un joueur vraiment dominateur avec ce numéro 14. Mais très très bon taf de la doublette Lucas Thévenard et Mathis Guillaume qui est venu lui filer un coup de main. Et ça va très très vite avec les deux points pour Dimitri Diarra. Impeccable pour le SOPCC, rondement bien mené, cette contre-attaque Dimitri Diarra en clôture. Allez, possession Golbe avec Marot à 3 points, il est ouvert. Nouveau tir à 3 points, c'est raté, très gros rebond offensif pour Golbe. Et ouais. Nouvelle possession construite pour Golbe. Avec Vladimir Ilitch qui revient sur son meneur Elliot Marot, qui oula, il est un petit peu vénard là, avec cette balle qui a été perdue, mais qui est retombée dans les pieds de Vladimir Ilitch. Et derrière, c'est Ludovic Martel qui continue son chantier à l'intérieur de la raquette avec ses deux points, ses deux nouveaux points qui ramènent les siens à 27-26. Lucas Thévenard, yes! Impeccable Lucas Thévenard en tête de raquette. Le lance est franc, tout simplement. Exactement. Très serré depuis le retour, depuis le deuxième quart-temps. Ouais, c'est chaud. Hein. On se rend coup pour coup des deux côtés. Ludovic qui a accumulé la pression tout de suite sur le joueur adverse. Et le retour sur le parquet de Captain Ketsumao qui remplace Lucas Thévenard. Très bon passage hein, de Lucas. Les deux côtés du terrain, très efficace. Défensivement, mais également dans le scoring, comme l'atteste ce dernier panier. Très bonne défense pour Brian Coudray qui vient mettre la pression sur Elliot Marot. Brian Coudray qui vient récupérer, il y a un contre à jouer. Ludovic Schell peut-être, c'est court, mais la balle va être récupérée par Dimitri Diarra qui traînait dans les parages.
Dommage, c'était une belle opportunité, Théo, là, pour le SOPCC sur cette contre-attaque. Mmh. Mais très bon repli de Golbey. Hein. Très, très bien revenu. Allez, Brian Coudray. La bonne défense, la très bonne défense du l'AS Golbey Pinal qui ramène le SOPCC en fin de possession. Et Ludovic Martel qui est sorti du côté de Golbey. Très très bon passage hein, pour Ludovic Martel dans le scoring. Un joueur imposant mais qui voit le retour de Melvin Govendi. Qui d'ailleurs était le joueur en possession de la balle. Très très bonne défense de Cheikh Soumarou. Mais Melvin va essayer de récupérer la balle. Melvin Govendi, joueur à suivre, qui tournait la saison dernière à 14 points et 7 rebonds de moyenne. Des stats plus que corrects. Et c'est lui qui vient sauver cette balle là dans les tribunes. Enfin, dans le côté de son banc d'ailleurs. Alors que ça se bagarre. Hein, ouais, faute offensive. Faute offensive provoquée par le SOPCC. D'ailleurs, de Govendi, j'ai l'impression non. Qui a pris la faute? On le voit là-haut. Ouais, c'est ça, c'est le 11. Et c'est attention, troisième faute pour l'intérieur de Golbey. Et d'ailleurs, Golbey dans la pénalité. Hein. C'est la cinquième faute pour eux. Ryan Coudray qui est passé. Le tir est compliqué. Il y avait deux joueurs face à lui. Cheikh Soumarou qui récupère son rebond. Aïe, dommage, la balle perdue par Dimitri Diarra. Ça va très très vite derrière le retour de Dimitri Diarra, obligé de fauter sur Loïc Gigant. Très très bien joué le coup du côté de Golbey là. Loïc Gigant, Elliot Marot, la doublette. Mais bon, bonne faute hein, de oui. Dimitri Diarra qui du coup évite ses deux points faciles. On va voir si c'était une bonne faute. Exactement, l'avenir nous le dira comme en effet. Le premier est raté. Donc c'était une bonne faute. Exactement. Le deuxième est converti. Et deux points d'écart seulement. En faveur de Pontcharui. Le tir au poste haut s'est raté. Il était ouvert. Et changement de possession pour Golbey. Et possibilité de repasser devant, puisqu'il n'y a que deux points d'écart. Exactement. La première fois peut-être dans le match, à 3 minutes de la mi-temps. Pour Golbey, ça serait un énorme boost quand même. Ouais, ils sont contacts, hein, les joueurs de Golbey, hein, comme on l'a dit dans le premier quart. Ils ne sont pas affolés, ils sont tranquillement au contact. Et ils font le taf à l'image là de, du capitaine Loïc Gigant qui vient provoquer cette faute. Allez, changement avec le retour pour le SOPCC de Jack Ayoum. En lieu et place de Dimitri Diarra qui a bien fait le job, le jeune joueur du SOPCC. Allez, au lancer franc pour l'égalisation, tout simplement Loïc Gigant. C'est la cinquième faute d'ailleurs collective hein, du côté du SOPCC, d'où la pénalité. Et le premier, il est marqué, impeccable. Premier lancer franc réussi, on est à 29-28. Deuxième lancer franc à venir pour l'égalisation, tout simplement Théo, la première fois de ce match, enfin la deuxième fois, puisque bon, en principe, il y a eu 0-0. Et oui, normalement. Seconde. Et donc, dès la première seconde, on n'a plus eu d'égalité et les revoilà. Golbey qui est revenu dans cette rencontre. Un très très bon taf du côté des joueurs de Laurent Matisse qui reviennent à égalité. 29 partout. Possession. Allez, SOPCC pour reprendre l'avantage. Il reste 5 secondes. Ludovic Schell qui récupère la balle. Le tir à 3 points pour Ludovic Schell. Et ben voilà comment reprendre l'avantage par El Maestro Ludovic Schell.
avec une pression tout terrain, on a vu le système défensif. Et une nouvelle faute qui va amener de lancer franc. Dommage, hein, c'est ce que d'ailleurs est en train de dire le coach Dounia Issa à son banc de touche. Faute donnée trop rapidement malheureusement. Ah, Loïc Gigant qui laisse petit lancer franc en route là. Ah, il est out. 0 sur 2. Loïc Gigant qui laisse 2 points en route là. Dommage. Et possibilité de repasser à 6 points d'écart. Et ouais, un possession importante. À 1 minute et 30 secondes de la fin de cette première mi-temps. Restez avec nous, hein, on aura le plaisir d'échanger avec le coach. Et faute du SOPCC à la mi-temps, tout de suite après. De l'enche à venir du coup pour Pontcharrui, pour passer à 5 points d'avance. Et temps mort d'abord. Demandé par Épinal après ces deux lancers ratés plus la faute alors qu'ils étaient revenus au score à égalité depuis le début du match, ça n'était pas arrivé, donc c'était un bon signe pour eux, mais voilà, deux fautes et deux lancers francs ratés et une faute et un temps mort demandé. Nouvelle présentation de nos partenaires majeurs sans qui ce programme ne vous serait pas proposé. Donc on les remercie fortement. Le SOPCC met 32 à 29. Est-ce qu'on y croit ce soir ? Il faut le dire plus fort. Est-ce qu'on y croit ce soir ? On est reparti pour vivre la fin de cette première mi-temps. Possession importante, hein, coach Issa qui a bien fait de prendre ce temps mort, Théo, parce que possibilité peut-être de. C'est le coach adverse. Ah bah, oui, il a bien fait de la prendre pour défendre alors du coup. On va voir s'il a bien fait. Ouais, pour la possession d'après, parce que c'est vrai qu'il y a deux lancers francs dans tous les cas pour Ludovic Schell. Impeccable. Converti. Sans problème. 4 points d'écart. Et deuxième lancer franc à venir. 1 minute et 26 secondes à jouer. Yes, 2 sur 2. Ludovic Schell impeccable. Et ça fait. Et nouvelle presse. 5 points d'écart. À 1 minute et 20 secondes de la fin de cette première mi-temps. Pontcharrui qui a repris un petit matelas d'avance. Il faut défendre pour garder. Elliot Marot qui met en place cette attaque. Très bien joué. On a obligé Tchèque-Soumarou à sortir très loin. Mais Tchèque-Soumarou qui fait le taf et qui oblige cette interception. Elliot Marot qui n'a pas réussi à trouver son secteur intérieur. Et tout simplement Melvin Govindi, hein, qui n'a pas réussi à récupérer. Très très bonne défense de Tchèque-Soumarou sur ce pick and roll là. Et pourquoi pas ce tir à 3 points ? Et pourquoi pas ce tir à 3 points qui ramène encore un peu plus d'avantage pour Pontcharrui. Quel tir, El Pistolero ! Il est parti très très vite ce tir. On n'a même pas eu le temps de voir ce qui se passait. En catch and shot direct. Et Govindi qui n'arrive pas à récupérer ce alley-oop. Il y a la contre-attaque derrière et peut-être prendre 10 points d'avance tout simplement. Peut-être même en arrêt ce tir à 3 points pour Brian Kudryki. Et raté. Et on va temporiser, mettre la main sur la balle pour Elliot Marot puisqu'il va rester deux possessions dans cette première mi-temps. Le match qui s'est un petit peu enflammé là. Il aurait clairement mis le feu à la salle. Exactement, mais ils ont déjà mis le feu hein, parce qu'on était à 27-27 tout simplement. Et 10-2 série en cours pour le SOPCC. 5 secondes. Il va falloir tirer Elliot Marot peut-être. Le tir à 3 points, il est très loin depuis le parking. Et c'est raté, au buzzer ça va se passer, il reste 3 secondes pour Brian Coudray, c'est raté la claquette, la claquette
qui est raté pour Cheikh Soumaoro. Voilà, oh là, on n'est pas passé loin pour Cheikh Soumaoro qui est passé tout près de cette claquette. Avec Cheikh Soumaoro passé tout près. Un petit bilan de cette première mi-temps, Théo. Oui, mi-temps très intéressante, beaucoup d'intensité des deux côtés. Première mi-temps serrée aussi, même si à la fin le score ne le montre pas. 8 points d'écart à la fin. Donc comme je le disais, mi-temps très intéressante des deux côtés. Une grosse pression défensive, un petit score et à la fin seulement 37 points marqués pour Pontcharui qui est l'équipe qui a le plus marqué. Donc ça montre l'intensité défensive. Donc les deux équipes ont bien mérité leur repos. Petit souci technique à la mi-temps avec les caméras. Et on aura le plaisir d'interviewer Dounia Isha à la mi-temps, le coach de Pontcharui. Donc le voilà. Très rapidement parce que on va pas le prendre plus longtemps, juste à mettre là. Un petit mot avec le coach, peut-être couper Théo. Coach, le premier mi-temps équilibré, malgré tout, c'est 8 points d'avance sur la fin là, ça fait du bien. Ouais, ça donne un peu d'air pour la deuxième mi-temps, c'est pas mal. Nos efforts, on va dire, ont payé, mais on sent qu'il ne faut pas du tout de relâchement parce que vraiment, on sent que c'est une équipe de qualité en face et le moindre relâchement, on voit, il recolle tout de suite. Qu'est-ce qui te manque selon toi pour prendre un peu plus l'écart? Parce que c'est vrai qu'on s'est un peu fait peur dans ce deuxième quart-temps où ça revient. On a manqué de solidité à un moment donné au rebond def. Ils ont réussi à avoir beaucoup de deuxième chance. Et en attaque, on a été un peu gênés pour exécuter quand ils ont changé de défense sur une espèce de zone, box. C'était pas très clair et on a trouvé moins de solutions. Merci coach, on te laisse aller retrouver les joueurs au vestiaire. Et nous, on va se retrouver dans quelques instants. Le temps de marquer une courte pause avec nos partenaires. Restez connectés avec les partenaires du SOPCC qui vont vous diffuser un petit peu leurs différentes publicités. Et nous, on se retrouve dans quelques instants pour cette deuxième mi-temps. 37-29, le SOPCC qui prend les devants. Mais comme l'a dit le coach, c'est encore très chaud. A tout à l'heure.
Le SOPCC Basket remercie ses partenaires majeurs 2020-2021 pour leur fidèle soutien. Merci à Ganova, constructeur de maisons individuelles. Autovision, centre de contrôle technique à Tigneux et Colombier-Saulnieu. Actifi, prometteur immobilier, aménageur et lotisseur. Intermarché, votre centre commercial à Passin-Morestel. Laurent Tissu, habille votre intérieur en rideaux et tissus. Elifec, spécialiste coordination sécurité de chantier et mobilité transnationale. Agility, votre partenaire hygiène, propreté et désinfection industrielle. Serra Grand B, carrelage, bain et sanitaire. Réassainissement, assainissement, pompage et curage. SEA Signalisation, votre spécialiste signalisation lumineuse tricolore. Jet Pulp, agence de stratégie digitale. Generali Assurance à Pontchéry. Leclerc, votre centre commercial à Tigneux. Elifec, société du groupe Caliconsult, vous offre ce soir votre match. Elifec, le spécialiste de la coordination sécurité pour vos chantiers, bâtiments et industries. Notre partenaire vous accompagne aussi dans la représentation légale des travailleurs détachés et l'obligation de vigilance des donneurs d'ordre. Les experts du groupe Caliconsult assurent le contrôle technique de construction, les contrôles périodiques du bâtiment, ainsi que vos diagnostics immobiliers. Toute l'équipe d'Elifec encourage et supporte le SOPCC ce soir et vous souhaite à toutes et à tous une très belle rencontre.
Donc de retour sur le direct avec les statistiques de cette première mi-temps. Donc un net avantage pour eux sur les deux points du côté de Pontcharry. 50% de réussite, ce qui est très bien. On peut voir sur les rebonds que la SGE est quand même très très présente, un petit peu plus que nous. Mais c'est assez serré, 21 rebonds contre 19. Et 7 balles perdues aussi du côté de la SGE, un peu plus que pour Pontcharry. Donc des statistiques assez serrées. Une plus grosse réussite à 3 points pour la SGE qui nous domine dans ce domaine. Donc des stats assez serrés qui justifient le score à la mi-temps. On peut voir les dernières consignes données par Dounia Issa à ses joueurs avant de reprendre le match. Échec de deuxième période. Donc d'ici une très grosse demi-heure, on aura le résultat de cette rencontre qui est pour l'instant très indécise. 37 à 29, on le rappelle, au score entre Pontcharry, le SOPCC et la SGE de Golbey et Pinal. Les deux équipes qui vont revenir sur le parquet progressivement. Alors excusez-nous pour ce désagrément, mais on n'a qu'une seule caméra pour le début de cette deuxième période. Donc on est reparti ici au gymnase Stéphane de Pontcharry. Alors qu'on travaille autour des 3 points. Très grosse pression défensive. Le tir à 3 points. Il est manqué. Rebond pour Golbey de Darishanyesh qui est pour l'instant le joueur... je pense de Golbey le plus incisif dans cette première mi-temps. La passe elle est très haute, il a réussi à la récupérer. Le tir sur la ligne des lancers francs et ça rentre. Les premiers points de cette deuxième période, ils sont pour Golbey et pour Vladimir Ilic. Jacques Ayoum et l'interception de Golbey avec 2 points en contre-attaque et la faute. N1 de Gigant avec la faute de Mathis Guillou qui est tombé dans le piège et ça fait 2 points plus la faute. Golbey qui est très bien rentré dans cette deuxième période et temps mort qui vient confirmer mes propos. Temps mort demandé par Dounia Issa. Première minute très mauvaise dans cette deuxième période pour Pontcharry. Au contraire, Golbey est très très bien rentré dans cette deuxième période. 4 points inscrits, dont un qui va peut-être arriver après ce temps mort. Et donc, première faute du côté... du Pontcharry. Alors qu'on va repartir après ce temps mort. On va voir si les consignes de Dounia Issa vont être respectées, ont été entendues. Après ce lancer franc pour Golbey, pour revenir à seulement 3 points du Pontcharry alors qu'ils étaient à 8 points
8 points derrière Pontcharrue à la mi-temps. Très bon début de deuxième période. Et c'est converti. 3 points d'écart. Ça lui fait 8 points après les 5 premiers marqués en première période. La passe de Basile David pour Thévenard qui ouvre sur Jacques Ayoum. Un peu de confusion. Il va falloir tirer 2 secondes. Le tir, il est compliqué. Il est un peu court. Et attention en contre-attaque. La fin de tir, ça ressort bien. On va construire. Nouvelle possession. Pour pourquoi pas revenir à égalité. Le tir, non. En force, et ça rentre. Il est monté très haut. Gigant, 10 points. Il a déjà marqué autant de points qu'en première période. Le N1 plus ce drive sur la ligne de fond. Et faute de Golbe qui donne la possession à Pontcharrui. Une faute partout. La pénétration, il s'est un peu emmêlé les points chauds. Et c'est récupéré par Golbe. Un seul point d'écart. Golbe qui est clairement mieux reparti dans cette deuxième période. Alors que Pontcharrui n'a toujours pas marqué dans ses 2 minutes 20. Possession pour Golbe, le drive en force, le tir, c'est manqué et le rebond est récupéré. Attention, ça peut aller très vite avec Mathis Guillou. Ça ressort, il est ouvert. Non, la belle passe à 0 degré. Lucas Thévenard qui travaille au poste haut, mais très grosse présence défensive de Golbe qui récupère le ballon. Nouvelle occasion pour repasser devant pour Golbe. Enfin pour passer devant puisqu'ils ne l'ont toujours pas été. Alors excusez-nous hein, pour ces problèmes techniques. On n'a toujours pas retrouvé notre deuxième caméra. Et la contre-attaque pour Pontcharrui. Très très bien défendu. Très bien défendu de la part de Golbe. Possession Pontcharrui. Ligne de fond. On ressort. Le drive en puissance, ça ressort bien. Le tir à 3 points, il est ouvert. C'est manqué. Toujours pas de points pour Pontcharrui. Et c'est bien fait en deux temps. Les premiers points du Pontcharrui dans cette deuxième mi-temps. Grosse défense. Le tir à 3 points. C'est manqué. Le rebond de Jacques Ayoum. Et le contre. Le contre, c'est une faute. Non, il était valable. Sortie de balle. Pour Pontcharrui. Balle pour Basile David. Il cherche pas pour la possession et marcher puisqu'il s'est remis sur ses pieds avec le ballon. Marché donc et changement de possession pour Pontcharrui. Pour Golbe, pardon. 3 points d'écart. Alors qu'on commence à récupérer notre caméra principale. Nouvel arrêt de jeu.
toujours 3 points d'écart donc, entre les deux équipes. Et Pierre Brun qui rentre à la place de Illich. Illich aussi, autre acteur principal de Golbe dans ce match. Avec remise en jeu sur le bord du terrain. Pour Golbe. Et donc, on a enfin pu récupérer notre caméra principale. Excusez-nous pour ces petits problèmes techniques. Et le dunk qui ne compte pas. Malheureusement, l'arbitre avait sifflé avant. Un seul point d'écart, toujours un score ultra serré dans cette rencontre. Avec la sortie de Jacques Hilloum et la rentrée de Ludovic Schell, l'expérimenté Ludovic Schell. Possession pour Basile David qui travaille. Il va devoir ressortir. 6 secondes. Ludovic Schell à 3 points. Et c'est dedans. Nouveau 3 points pour Ludovic Schell qui maintient le Pontcharui à l'abri pour l'instant des attaques de Golbe qui a eu les opportunités pour repasser devant mais qui ne les a pas saisies. Et toujours 4 points d'écart entre Golbe et Pontcharui. Le tir est manqué, rebond de Ludovic Schell qui est du coup à 10 points. Le travail au poste haut, le skyhook, ça ne rentre pas. Possession Golbe. Le tir de nouveau raté. Rebond pour Basile David. Lucas Thévenard en dessous qui ressort. Le drive. Et le tir de Lucas Thévenard avec la faute à 0 degré au bord de la raquette. 2 points de plus pour Lucas Thévenard. Lucas Thévenard a 10 points. Et un lancer franc pour augmenter l'écart. Qui repasse à 6 points et potentiellement 7. Et ça en fait 7. Et changement justement, Lucas Thévenard qui sort. Et Tchèque Soumaoro qui rentre pour apporter de la présence sous le panier en défense et en attaque. Qui va aller se charger. Qui va tout de suite prendre sa place sous le panier de Pontcharui. Coup de sifflet, faute offensive. Et donc temps mort demandé par Golbe après un très bon début de deuxième période mais qui a vécu un petit moment de flottement. Dans les 2-3 dernières minutes, qui a eu les opportunités de repasser devant, qui est revenu à un point, mais qui n'a jamais réussi à repasser devant Pontcharui. Donc apparemment, on a retrouvé complètement notre caméra principale, notre caméra tout-terrain. Et on a surtout retrouvé Quentin Roland, qui m'a retrouvé aux commentaires. Oui, j'ai absolument tout raté, mais je vois qu'on est à plus 7. Donc j'ai pas raté grand-chose, j'ai quitté le match, on était à plus 7. Et ben au score, tu n'as rien raté. Mais dans le jeu, oui,
Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas faire un petit résumé que tu vas pouvoir refaire un résumé pour les gens qui nous ont suivis du coup. Exactement, puisque Golbey est revenu à un seul point d'écart, qui a eu les opportunités plusieurs pour passer devant même, mais qui n'a pas su les saisir. Puis Lucas Thévenard et Ludovic Schell nous ont maintenu devant avec des tirs à 3 points et des N1. Parfait, parfait. En tout cas, le SOPCC qui garde du coup cet avantage. Le match est encore, bien entendu, très très long. 3 minutes et 50 secondes. Alors, on est désolé, on a eu un souci de caméra, les aléas du direct. Mais voilà, on a réussi à trouver une solution d'urgence. On remercie d'ailleurs Joseph, le caméraman du SOPCC. La caméra qui n'a pas apprécié ce petit flottement du côté de Pontcharrui. Exactement. Elle a préféré la première mi-temps et maintenant qu'on a repris cet écart, elle a préféré revenir pour vous faire profiter. Et il est passé, bien joué, impeccable. C'est en force. 2 points pour Basile David. Et c'est chaud, ça défend. Six points pour Basile David. Nouvelle possession pour Golbey pour essayer de réduire l'écart, mais ça ne rentre toujours pas. Très gros rebond, énormément d'intensité pour ce rebond. Et le ballon est sorti, la passe était trop longue, trop compliquée de contrôler cette passe. Et Basile David qui n'a rien pu faire pour la contrôler. Changement de possession de nouveau. 3 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. Et donc on attendait Brian Coudrébé qui faisait se lâcher. Et on peut repartir. Donc on peut reprendre le jeu. Avec Maës Montou à la main toujours. La possession importante hein, pour Golbey Théo là. Hein. Oui, parce qu'il faut essayer de scorer pour eux, pour rester au contact. Très bonne passe. Issa Boutinan, impeccable. Magnifique passe sous le panier. Qui ramène les siens à 7 points. Alors qu'il reste 2 minutes et 30 secondes à jouer. Possession SOPCC, Ludovic Schell. La bonne passe, c'est dommage. C'est intercepté. Ouais, c'était très très bien défendu. Maës Montou en contre-attaque. Il va plus vite que Tchèque Chumauro. Et faute. Faute du géant vert, on peut dire. El Capitano du géant vert, ouais. Facile, bonne blague. Il est content. La faute pour Captain Soumaoro qui va donner deux lancers francs pour Maës Montou. Toujours aussi présent Maës Montou. Ouais, c'est bien beau de faire des blagues, mais il y a un chrono à tenir, monsieur, qui est en train de défiler. Donc voilà. Pour la blague du géant vert, la prochaine fois. Elle nous a valu 20 secondes de décalage au chrono. Allez, premier lancer franc qui a été raté. Et super, impeccable, il en est. Le deuxième lancer franc réussi. Allez, possession SOPCC, il a fait 2 sur 2, hein, Maës Montou. Il ne va pas échapper. 5 points d'écart. Bien joué ça pour Basile. Ah, c'est raté, le ballon qui ressort, mais Tchèque Soumaoro qui s'impose. Tir raté par Basile David, c'est dommage, mais c'est lui qui va récupérer cette possession, qui va récupérer cette balle. Ouh là. Il était compliqué ce fadeaway. Ouais. Bien il défendu, très bien défendu. Blaise David. Nouveau drive, il s'arrête. Au buzzer. Au buzzer tout simplement. 49-42, 1 minute et 30 secondes encore à jouer, impeccable. Et c'est reparti. Oh là 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 là! Aïe aïe aïe! Incroyable momentum pour le SOPCC qui est en train de gérer parfaitement et l'envoyer du spectacle dans tous les sens.
La réponse, non. Pas de réponse. 9 points d'écart. Cette possession récupérée pour le SOPCC. Il est passé, Brian Coudray, la bonne passe. Le tir à 3 points. Et Cheikh Sommaré au rebond, non. C'est raté. Possession Golbe. Il reste 35 secondes de jeu. Possession importante pour Golbe pour peut-être revenir un petit peu dans cette rencontre. Ils ont 9 points de retard. Hein. Montou, la bonne passe. Ouh, il a marché. Il a marché. Il y a un pas de trop pour le capitaine Loïc Gigant. Je n'avais pas vu le coup de sifflet, mais j'avais bien vu ce marché. Bien provoqué par les joueurs du SOPCC. Possession rendue, Loïc Chel et probablement la dernière. David. Puisqu'il n'y a que 5-10 gemmes entre le chrono des 24 secondes et le chrono du carton. Exactement. Cheikh Soumaoro. La balle qui circule, il va falloir prendre ce tir, il reste 6 secondes. Le step back à 3 points. C'est raté, ça la claquette. Ça lance pas le rebond, non. Et ils ne vont pas pouvoir tirer une dernière fois. Fin du troisième quart-temps. 51-42. On en reste sur ce score de 51-42. Pour le SOPCC qui aura bien maîtrisé cette fin de quart-temps. Et on vous laisse avec les partenaires. Merci à nos partenaires, les partenaires majeurs du SOPCC. Vous aussi, hein, n'hésitez pas à contacter Urbisport pour rejoindre l'aventure. Et un énorme merci à Elifec, le parrain de votre rencontre. Elifec, spécialiste de la coordination sécurité pour les... Allez, de retour sur le parquet ici à Pontcherry, la salle Stéphane, pour cette troisième journée de National 1 masculine qui nous avait réservé des promesses. Les promesses sont tenues, mon cher Théo, c'est chaud. Et on a un vrai match de basket pour peut-être, pourquoi pas, la première victoire du SOPCC cette saison. À domicile, ça serait beau. Et c'est vrai qu'on ne s'est pas ennuyé dans cette rencontre. Autant couleur. Et toi reste à faire début du quatrième quart-temps à l'instant avec une première possession qui va être, mon cher Théo, pour Golbe avec la remise en jeu effectuée par Issa Boutinan. Alors qu'on a démarré dans quelques instants. Ça y est, première possession Golbe Épinal avec Maes Montou. Avec un certain retard à remonter. Pontcherry qui commence le dernier quart-temps avec... Avec un petit matelas, 9 points. C'est un peu plus qu'un matelas. Ouais, c'est un bon gros matelas. Quoi. Allez, Golbe, la bonne interception. Brian Coudray. Ludovic qui intercepte. Ludovic Chel. Oui, Brian qui intercepte et récupéré derrière par Ludovic Chel. D'accord. Grosse défense. Encore une fois de Maes Montou. On travaille à l'extérieur. Le drive main gauche, non, il revient. Ludovic Chel à 3 points, il est très loin. C'est ça raté. Ne rentre pas le rebond. C'est raté avec ce rebond récupéré par Golbe qui va pouvoir relancer. Maes Montou, justement, qui récupère la balle. Il n'a pas réussi à trouver l'intérieur. On revient sur Pierre Brun. Et finalement, Maes Montou de nouveau. Il donne à Tom Dari Chagnès qui travaille. Il prend son temps, il va falloir tirer 3 secondes. C'est chaud au buzzer. Depuis le parking, ça va y rentrer. Un peu court. La possession va être rendue au SOPCC avec ce tir raté. Il est obligé de le prendre, hein, ce tir dans tous les cas.
Et le retour sur le parquet pour le SOPCC de John Hudson qui remplace Brian Coudray. Alors, on sait bien qu'au basket, rien n'est fait tant que le buzzer n'a pas retenti, mais il va falloir se dépêcher pour Golbe s'ils veulent avoir encore un espoir de s'imposer. 9.9 minutes, ça reste largement encore faisable. Il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il va falloir régler les problèmes défensifs du côté de Laurent Matisse pour essayer de revenir dans cette rencontre. John Hudson avec cette entrée. Lâcherie de croche, et ça ne rentre pas. Le cross ne marque pas de points. Il faut convertir et malheureusement, c'est raté pour John Hudson. Récupération pour Elliot Marot. Avec le drive, main droite, il est passé. Tom Darius Agnès. Et ça va très vite. Et c'est raté, mais il a provoqué la faute de Basile David. Ça va donner de lancer franc. Et le comeback de Ludovic Martel sur le terrain. Il avait fait beaucoup de mal aux joueurs du SOPCC dans la première mi-temps. A voir s'il réitère sa bonne performance. Le SOPCC, alors, c'était pas une faute. C'était une sortie de balle. Ouais, tout simplement. C'est vrai qu'on a été perturbé par les joueurs du SOPCC qui ont râlé un petit peu. Et en fait, eux-mêmes n'ont pas compris le coup de sifflet. Ouais. Mais de Vixel qui avait manqué sa prise de balle. Heureusement, il y avait un coéquipier derrière. Basile David qui est passé. Qui provoque. Qui vient provoquer la faute à l'intérieur de la raquette. Très bien joué. Il partait un petit peu au charbon là. Ouais. Mais il s'en sort bien. Face à tout l'effectif de Golbe. Première faute de ce dernier carton. C'est Darius Agnès qui prend la faute. Elles vont être importantes. Et ouais, Zaki à Serpillière. Et 7 minutes et 50 secondes à jouer, mine de rien, Théo, le chrono a un petit peu tourné. Il reste après 2 minutes dans ce carton. On a toujours cet écart qui est même accentué avec 10 points. 10 points, et je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est la première fois dans cette. C'est la première fois depuis le premier carton. Ouais. Deuxième et troisième carton. Une grosse partie du premier carton, on était en dessous déjà des 10 points. C'est pour dire. Et là, ça fait même un point de plus. 11 points, le avec gros écart du match. Il me semble qu'on n'avait pas dépassé les 10 points. Avec possession Golbe, la balle qui circulait, Lyot Marot, une possession très importante pour les joueurs de Golbe pour revenir dans cette rencontre. Alors que la salle Stéphane fait entendre la voix, le tir est à 3 points. 0. 0 degré, ça ne rentre pas. Et la balle n'est pas captée par Ludovic Martel. La possession sera rendue SOPCC. Position encore très très importante. Elles vont toutes l'être de toute façon. Hein. On ne va pas le répéter à chaque fois. À partir de maintenant, on va compter chaque possession comme très importante, que ce soit pour le SOPCC pour augmenter cet écart et valider la victoire ou pour Golbe revenir dans cette rencontre. Possession John Hudson, Théo. Exactement. Bon, cher Marc, on ne va pas crier victoire trop vite, évidemment. Il reste encore 7 minutes, mais ça ferait déjà très beaucoup. John Hudson, 3 points. C'est très bien défendu, mais c'est bien joué. Et la faute par derrière. De lancer pour Sexo Mauro. Très bien joué. Et la faute de Loïc. Deuxième faute d'équipe. Alors que Poncharui a pris la chandelle psychologique pour l'instant. Et que Théo nous a perdu le stylo. Décidément, rien ne va plus aujourd'hui. De lancer franc, Cheikh Soumaoro. Premier lancer franc, validé. Le stylo ne l'empêche pas de marquer apparemment. C'est déjà ça. Et deuxième lancer franc, la gamelle, mais ça rentre et ça ressort. Et ça re-rentre. Et 13 points d'écart. 11, pardon, j'avais oublié un panier. 11 points d'écart. Avec cette possession. Pour repasser sous les 10 points, ce serait important. Le tir à 3 points, peu court, mais gros rebond. Très très gros rebond par Et l'interception de John Hudson. Ouh, et qui va prendre de vitesse Maesh Montou
Ouais, et deux points. On s'en sort pas si mal côté Golbe parce qu'on était très très proche sur cette perte de balle. Maes Montou qui a failli attraper le vivace et la rapidité de John Hudson. Et heureusement dans ce malheur de ce panier encaissé, il n'a pas touché John Hudson parce que sinon c'était anti-sportive. Ça aurait pu être une anti-sportive. Automatiquement. Sur cette possession, en tout cas récupérée par nos joueurs du SOPCC qui viennent remettre deux points supplémentaires, viennent reprendre ces 13 points d'avance très très important alors qu'il reste 6 minutes et 40 secondes à jouer. Alors qu'on voit actuellement le coach à l'image en train de ils ont réajusté, tout est encore très très long. Hein. Très très long encore cette rencontre. 13 points d'écart. Ça sent bon. Ouais, mais tout reste à faire encore. Ça sent bon pour le SOPC. C'est, ça sent bon. Mais n'oublie pas quand même qu'on a des oui, supporters de Golbe qui nous écoutent. On va essayer de rester neutre. Ça sent bon pour les locaux en tout cas, en effet. On vous avoue hein, quand même qu'on est forcément un petit peu impartial dans cette rencontre, mais on essaye de vous faire vivre au mieux si vous êtes supporter adverse. Hein, on sait que c'est très compliqué quand on a des gens trop chauvins, donc on essaye de respecter un minimum cette parité. Allez, avec la possession, Golbe, la faute de Csomóro, je crois, sur le step-out. Est venu sortir très très fort sur cet écran. Hein. Step out, c'est le joueur intérieur qui vient mettre la pression sur le poste 1 qui prend un écran. Et un petit peu trop agressif sur cette défense en step out. Allez, la possession nouvelle toujours pas récupérée, mais on n'arrive pas à mettre la balle. Hein. Vladimir Ilic, hein, il n'arrive pas à la récupérer. On n'arrive pas à mettre la balle en jeu côté Golbe. Preuve du bon passage défensif du SOPCC à l'image de Mathis Guillou qui vient mettre la pression sur. Le porteur de balle. Alors attention, hein, parce que Montou, pour lui mettre la pression, il faut se lever tôt. Et la bonne passe. Très très bonne passe, magnifique. Impeccable. Passe dans le dos. Et ça fait deux points de plus. Et ouais. Deux points pour Golbe qui revient à 11 unités à 6 minutes de la fin. La bonne passe aussi avec Csomóro, mais qui a mis beaucoup trop de puissance avec ses gros bras. Alors attention, hein, la balle n'a pas touché le cercle. C'est d'ailleurs ce que va demander un rectificatif de l'arbitre. Puisqu'il y a eu remise à 14 alors qu'elle n'aurait pas dû eu lieu. On n'a pas touché le cercle. Sortie de Basile David. Remplacé par Jacques Ayoum. Moins de 6 minutes donc dans cette rencontre. Et 11 points d'avance pour Pontcharui qui maintient pour l'instant cet écart depuis la fin du troisième quart-temps. Le tir à 3 points de Yuchan, il rentre. Incroyable. Énorme 3 points de Yuchan. Ba-ba-baum. Qui augmente encore plus l'écart entre Golbe et Pontcharui. Il va falloir marquer vite. Et marquer de loin si possible pour Golbe. Belle défense de Mathis Guillou. C'est chaud, c'est chaud. 5 minutes 30, remise en jeu pour Golbe. Avec la possession très très importante pour les joueurs de Golbe. Maes Montou qui retrouve son vis-à-vis depuis le début du match. Très très bonne défense. Et ça joue. Alors attendez. Et un gros malentendu. Exactement, malentendu. En fait, il y a eu faute de siffler, mais personne n'a entendu la faute sifflée. Avec le buzzer. Ouais, avec le buzzer, l'arbitre a bien sifflé faute. Et du coup, Elliot Marot a complètement hurlé sur ses joueurs pour leur dire de jouer. Parce qu'il pensait que il n'y avait logiquement pas de 24 secondes, hein, parce que le balle avait touché le cercle. Donc s'il n'y avait pas eu de faute sifflée, il aurait fallu jouer. Mais le lancer, il est dedans. Sifflé. Le premier lancer franc marqué par Maes Montou. Très, très important, celui-là. Il s'agit de mettre les deux pour garder la tête sous l'eau. Garder un peu d'espoir pour Golbe pour revenir alors qu'il reste encore 5 minutes. On n'est même pas encore à la moitié de ce quart-temps.
et ça fait 60-48. Avec la possession, Hudson. Oh là là, Ludovic Schell qui a perdu l'équilibre. Là, il a envoyé une pépite pour essayer de sauver la balle. Mais derrière, Elliot Marreau n'arrive pas non plus à la sauver. Elliot Marreau qui demandait à l'arbitre ce qui s'était passé. Et forcément, pas les yeux sur ses pieds. Et en effet, il était juste devant nous. Il a failli nous arriver dans le pif. Mais en effet, il avait bien le pied sur la ligne. C'est reparti. Balle pour Yuchon. Avec la balle qui circule, Ludovic Schell. Très important à Ludovic Schell dans cette fin de match qui amène toute son expérience. Attention à Jack Ayoum. Jack Ayoum qui a retrouvé. Et le travail sous le panier. Ouais, Mathis Guillou, très bon travail. Et la faute. Allez, ça va lui donner de lancer franc. Un premier lancer franc validé. Ça fait 61. Deuxième lancer franc, 2 sur 2. Impeccable pour Jack Ayoum qui fait beaucoup de bien puisqu'il va redonner 14 points d'avance. Et que désormais, Théo, on va se rapprocher à petit du money time. Et le drive magnifique, c'est raté. Il va falloir faire attention à Golbe parce que les instants vont être cruciaux. Oh là 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 là, double block. Énorme contre. Double block. Double contre, là, ils étaient deux. Allez, changement du côté du SOPCC. La sortie de John Hudson. Oh là, alors là, il a été surpris, Mathis Guillou, d'être au sens seul. Il récupère le rebond, mais là, il va falloir aller. C'est important, ces tirs. Et là, derrière, Keksuba qui déploie ses ailes. El Capitano. Il est monté très haut sur ce contre. Et il a sorti les muscles. Et Ludovic Schell qui n'a pas réussi à récupérer cette balle. Théo, elle va être rendue à Golbe. Ludovic Schell vraiment sur ce match qui fait oublier le départ de Tommy Guejala. Qui fait vraiment le travail un peu similaire vraiment au jeu de Tommy Guejala. Aïe, 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 ce tir à 3 points là. Pardon, je te coupe Théo, mais place au direct avec ce tir incroyable qui ramène les siens. Avec ce gros tir là. Très très gros tir à 3 points. Et c'est vrai que tu fais bien de parler de Tommy Guezala. On a aussi le départ d'Antoine Dudy, hein, la doublette. Hein, grosse doublette de meneur l'année dernière. Tommy Guezala, Antoine Dudy, hein, qui était très très importante pour le SOPCC. Mais en effet, tu fais bien de le préciser. La triplette même, hein, parce qu'on a une triplette poste 1, poste 2 cette année avec Schell, avec Brian Coudray et puis avec John Hudson, qui pour le moment fait des ravages dans cette rencontre en tout cas. Allez, possession très importante SOPCC. Avec tout ça, il ne reste que 3 minutes 40. Et oui, le chrono qui tourne tranquillement. Et toujours 11 points. Toujours cette barre des 10 points pas franchie par Golbe. Allez, mettre la balle en jeu, c'est chose faite avec Mathis Guillou. On revient sur Brian Coudray. Il est passé, Brian Coudray, il va très très vite. Il allait s'enfermer et a marché. Il n'y a pas de trop et en plus il s'est fait mal. Malheureusement, ça c'est pas une bonne nouvelle. Là, c'est la cheville qui a tourné à mon avis, je pense, sur la réception. Ça c'est pas une bonne nouvelle. Avec
Allez, c'est reparti. Malheureusement, la mauvaise nouvelle hein, avec Brian Coudray qui vient de sortir sur blessure. C'est la cheville, hein, semble-t-il. Alors, on va essayer d'en savoir assez rapidement, savoir ce qu'il en est. Mais c'est vrai que voilà, y a la cheville qui a tourné pour Brian sur ce tir. Et Golbe qui n'arrive pas. Là, il était passé pourtant d'Arisan. Il n'arrive pas à convertir ce tir. Que c'est dur offensivement. Pour Golbe Pinal. Allez, Poncheri en difficulté. Mais là, Lucas Temnar qui va trouver ce tir. Il est contré, il a été touché. Et c'est finalement perdu pour le SOPCC. Donc, possession pour Golbe. Il n'arrive toujours pas à revenir. Le match est encore long, hein, Théo. 3 minutes. Il y a largement encore la place pour le refaire, même si, bien ouais. entendu, hein, on se rapproche petit à petit de la fin. Hein. De toute façon, hein, c'est logique, hein, on ne se rapproche pas du début. Et au bout d'un moment, on ne pourra plus dire ça. Donc, exactement. Les 11 points, il va falloir quand même les combler. Et là, pour le moment, les hommes de Dounia, Issa, gèrent plutôt bien cette avance. Tir à 3 points, très important. Il est costaud ce tir, il est raté. Le rebond pour SOPCC. Et donc après ces 3 points, on peut voir que la tendance des 3 points vraiment entre les deux mi-temps, elle s'est complètement inversée. Exactement. On avait plusieurs 3 points de Basile David et de Ludovic Schell dans cette deuxième période. Ah, dommage, il n'a pas réussi à récupérer cette balle, John Jotson, sur Lucas Temnar, c'est intercepté. Alors que malheureusement, hein, on l'a vu passer à côté de nous, on n'aura plus de Brian Coudray ce soir. Hein. Et parti sur la table du kiné pour strapper. Alors ça semble non plus pas très très grave, on l'a vu quand même essayer de poser le pied, on essaiera de vous en donner plus, mais en tout cas on ne le reverra pas ce soir sur le terrain. Lucas Temnar qui est passé. Qu'est-ce que c'est mon Théo, Magic Lucas Temnar qui allait en très haute altitude pour éviter le contre parce qu'il y avait match, il y avait défense. Et ça, c'est très très important, ce tir. On l'a vu commencer sa mécanique pour claquer un dunk. Il n'a pas réussi à claquer le dunk, mais ça fait 2 points quand même. Donc on va pas lui en vouloir pour ça de faire moins de spectacle, mais ça fait 2 points. Et ça fait surtout 13 points d'avance pour Pontcharrui à 1 minute 50. Allez, temps mort demandé bien entendu par le coach adverse. Temps mort important pour... c'est le moment jamais, hein. De toute façon, là, c'est clair. Le score qui est de 64-51 ou 53 51. Hein. Ouais. On a un assistant qui dort ce soir. Je me fais influencer... dans le mauvais sens par Quentin. Oui, puisque tes fautes n'étaient pas bonnes. Donc des fois, j'avoue que ça va mal. Mais là, pour le coup, j'étais sur le bon score. Ok, mais pas sur le bon timing alors, donc c'est pas grave. C'est le début. C'est la première début de saison. Les joueurs sont en rodage. Et nous aussi. Allez, 64-51, ça fait plus 13. Il reste une 50 à jouer. Et c'est Golbe qui va avoir cette possession. Et donc, il y a bien 13 points d'écart. Avec le tir à 3 points. Et là, ça va être... toujours pas. Le rebond, il est pour Golbe. Ouais, très bien joué. Mais c'est finalement récupéré par notre ami Jacques Ayoum. Jonathan Hudson. Pour mener ses dernières actions pour Pontcharrui. Il calme le jeu évidemment, il faut faire tourner le chronomètre. Ouais, bon, là, c'est intelligent. Autant tout à l'heure, on disait que le match était encore long. Il est très très court et avec ses 13 points d'écart, on voit mal comment Golbe peut revenir en une 15. Alors, bien entendu, hein, rien n'est jamais joué d'avance, mais malgré tout, ça se dirige quand même tout droit vers la première victoire pour le SOPCC. On ne sait jamais si Tracy McGrady arrive sur le terrain pour marquer 13 points en 30 secondes. Mais pour l'instant, aucun joueur de Golbe apparemment n'est capable d'inscrire les 3 points dans ses derniers quart-temps.
alors qu'on rentre dans la dernière minute. Le tir à 3 points, ça ne rentre toujours pas. Et le rebond de Lucas Thévenard, très très gros match. Match très sérieux de Lucas Thévenard, que je sois du côté offensif du terrain, que en défense, présent au rebond. Et en contre-attaque, ça ne rentre toujours pas. Alors qu'il y avait une très grosse présence de Golbe. Mais c'est récupéré. Allez, dernière et on minute. Va rentrer dans les 30 dernières secondes de ce match. Et on se dirige tout droit vers une belle victoire du Pont de Cherui. Et Ludovic Schell qui n'arrive pas à transmettre ce 3 points qui aurait pu clôturer la soirée. Mais le rebond a été capté. Il va peut-être avoir une deuxième chance. Non, il va servir à l'intérieur. Mathis Guillou qui est passé. Et qui vient terminer le travail, messieurs, dames. Mathis Guillou vient marquer sur un N1 incroyable. Et on peut vous l'annoncer, hein, parce qu'on aura le plaisir, Mathis Guillou, de le retrouver. Alors non, il n'y a pas N1, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il était sur la ligne, il pensait avoir marqué. Ah ouais, il pensait avoir le lancer franc. En tout cas, c'est sifflé. On en reste là. Et la dernière possession pour Golbe, pour le goal à Verrage, avec décidément rien qui rentre. On n'y arrive pas et c'est contré. Celui-là, il est beau de tir, mais il est anecdotique. On en reste là, c'est terminé. Victoire du SOPCC qui emporte cette première victoire de la saison 66-54. Théo, un superbe match. Vraiment, match très sérieux pour Pontcherry. Autant, donc, comme je l'ai dit, les deux côtés du terrain en défense. 54 points d'encaisser. C'est plus que correct. Lorsqu'on sait que sur les deux premiers matchs Pontcherry, on a encaissé 68 en moyenne et n'en avait marqué que 58. Donc on est dans le positif des deux, sur les deux stats. 66 points marqués et seulement 54 encaissés, c'est très bon. Donc ouais, de quoi remonter dans le classement. Ouais, on le disait, la stat, hein, t'en parlais dans le début du match, dans la présentation, on disait Golbe qui marque beaucoup. Ben voilà, la force du collectif ce soir du SOPCC, ça a été de laisser 54 points seulement pour l'équipe de Golbe, ce qui explique largement cette victoire du SOPCC. Je vais te laisser clôturer, je vais te laisser faire un petit peu le bilan et puis on va se retrouver dans quelques instants avec le MVP du match, Mathis Guillou, en interview. Théo, je te laisse un peu nous donner quelques stats et puis donner surtout les prochains rendez-vous pour le SOPCC. Pour se retrouver, et en attendant, on va se retrouver avec le MVP dans quelques instants. Oui, donc on peut voir les joueurs célébrer cette magnifique victoire très sérieuse de tous les joueurs. On a vu quelques coups d'éclat de Ludovic Schell à 3 points. On a vu aussi, donc, comme je l'ai dit, Lucas Thévenard, vraiment très très gros match pour lui des deux côtés, en défense et en attaque. Plusieurs contres, d'énormes rebonds. Et des tirs à 2 points comme à 3 points. Et donc on va passer à l'interview du MVP. Et donc c'est Ludovic Schell avec Quentin Roland. Ouais, elle fait vraiment du bien. Sincèrement, elle fait du bien. On est un groupe qui travaille très dur, qui travaille bien. Les gens qui viennent aux entraînements, ils peuvent le confirmer. Et elle fait du bien, mais elle est vraiment, vraiment méritée. Qu'est-ce qui vous a permis, selon toi, de vous imposer? On a senti Golbe toujours un peu au contact, revenir à égalité, repasser devant, mais ils n'ont jamais vraiment réussi à vous bousculer. On a senti que dans les moments où ça revenait, vous maîtrisiez tranquillement, laissez passer l'orage pour remettre derrière une petite couche. Ouais, je pense que c'est physiquement. Je pense qu'on a réussi à mettre une intensité en défense tout au long du match, un peu à l'image d'un rouleau compresseur. Donc de temps en temps, ils arrivaient à tenir par 2-3 tirs qui les ramenaient. Mais au fil du match, ils ont lâché. Après, nous, on est perfectible, je pense, c'est sur l'adresse. Même si on met beaucoup d'énergie défensivement, c'est souvent ça le truc. Donc, le coach dira qu'il faut encore qu'on bosse, mais c'est tout à fait le cas. Donc c'est une super victoire, on va la savourer, mais on va,
tout de suite se prolonger sur mardi. On est un groupe qui, je le répète, qui travaille vraiment bien. Donc on a ce qu'on mérite ce soir, et puis si on veut d'autres victoires, il faut aller les chercher par le travail quotidien à l'entraînement. Dernière petite question, on savait qu'on avait un groupe en construction avec beaucoup de changements. Après ces deux premiers matchs, ça y est, la saison est officiellement lancée désormais. On va dire que le compteur est ouvert, effectivement. Mais moi, elle est lancée depuis un moment. Vous ne le voyez pas, parce que c'est vrai que ça ne paie pas par les résultats, mais dans la tête, dans l'investissement, elle est lancée depuis un moment. Personne ne triche, tout le monde, vraiment, la notion de mouiller le maillot, tout le monde le fait. Alors c'est vrai que sur les deux premiers matchs, on peut nous reprocher des choses, etc., où tout n'était pas parfait. Mais sur l'envie, on ne ment pas. Et donc on va continuer comme ça. Après, voilà, c'est un groupe jeune, il y a beaucoup de progrès à faire. Mais on ne va pas lâcher, on va faire match après match et on va prendre tout ce qu'on peut. C'est donc une juste récompense, cette belle victoire. Merci Ludovic, encore bravo. Et puis on se retrouve dès le prochain match ici pour confirmer maintenant que tu as goûté à la victoire ici à Pontcharrui. Effectivement, on va essayer de confirmer à la maison. Ça serait bien de continuer le record. Je sais qu'à Pontcharrui, il y a très très peu de défaites. Donc il faut qu'on continue dans cette série. Et j'en profite pour remercier le public, parce que c'est vrai qu'ils nous portent, ils nous soutiennent. C'est pas toujours facile, parce que on n'est pas toujours... Des fois, on fait des faux pas. Mais un énorme merci au public qui ne nous lâche pas. Et ils peuvent être sûrs d'une chose, c'est que nous, on ne lâchera pas non plus. Merci Ludovic, on te laisse aller profiter maintenant de l'après-match. Quand même, profiter un peu de cette victoire avant de passer, tu l'as dit, très vite à la suite. Merci Ludovic. Merci, bonne soirée. Et moi, il me reste à vous remercier, vous, chers supporters et chers partenaires, pour cette superbe rencontre qu'on a vécue ensemble. On a vibré. Alors, on a eu quelques aléas avec des petites coupures, des petits problèmes, mais on a réussi à combler ça. On espère vous avoir fait vivre cette rencontre de la meilleure des manières possibles. Le prochain match, ça sera à Chartres pour le SOPCC, à suivre, bien entendu. Et puis nous, on se retrouvera à domicile pour la prochaine rencontre. On est en tout cas très heureux d'avoir redémarré cette saison ensemble. Et il me reste, avant de clôturer, à remercier les équipes techniques ce soir avec Seb et Joseph sur le cadrage. Et puis on avait à la réal et aux commentaires Théo, accompagné de moi-même. Merci également à Quentin du pont de Pontcharrui et à toute son équipe. À très vite, prenez soin de vous, bonne soirée. Et bien sûr, allez les verts et les noirs du SOPCC. Ciao, ciao.